C'est fermé. Moi, la seule chose qui m'excite, c'est les films porno. Étonnant. C'est formidable. C'est horrible. À partir de combien on a sa part? J'en sais rien, plus d'un en tout cas. Mais combien? Bah dis-moi, j'ai vu ta robe de mariée, on a plus de secret l'un pour l'autre. Oh, c'est très bien. Vous apportez un nouveau regard sur le personnage d'Al Pacino. Merci. Ah, c'est frais, dynamique. Non, vous avez su vous en détacher. Ça va. Je suis pas une corbeille de lynchade quand même. Écoute, détends-toi là. Mais comment veux-tu que je me détende? Moi j'ai jamais mis les pieds dans ce genre d'endroit. Si Coco apprend ça, elle va me tuer. Mais va pas la prendre profit du spectacle. À poil. Ouais, à poil. Le tribunal correctionnel de Paris vous condamne à une peine de 6 mois de prison avec sursis, ainsi qu'une amende pénale de 4000 euros. Qu'est-ce que t'as dit, monsieur le juge? Attendez, que les choses soient claires. On ne discute pas la décision du tribunal. J'ai vu du shit! Vous essayez de me corrompre? Avec des stupéfiants en plus? Très bien. Ce sera 1 an de prison ferme et 12 000 euros d'amende. Tu es sûr que le moment est bien choisi? De toute façon, il faudra bien lui dire la vérité. Hein. Joyeux anniversaire, Jérémy! Joyeux anniversaire! Ouais, ça va. Jérémy, aujourd'hui tu as 18 ans. Joyeux anniversaire! Le temps passe vite, tu sais. Mais ta mère et moi avons une nouvelle difficile à t'annoncer. Vas-y, toi, chérie, ça reste pas. Merde, t'es coco. Elle m'a répondu. Bah non, elle m'appelle en visio, elle va voir où je me trouve. Bah tu sors et tu lui réponds. Mais on a Pigalle, ça va être grillé. Oh. Je te préviens, c'est toi qui m'as mis dans ce merdier, c'est toi qui vas m'en sortir, ok? Ok. Le 32, très bien, et puis le 33, mon fiancé. Moi, je passe après ton fiancé. Bah non, toi, t'es le 32. Ah bon? Non, excusez-moi, je peux garder mon slip, je suis un peu pudique. Coupez!